Toulouse veut se débarrasser de Zakaria Aboukal. Alors lui, il est dans la sauce. Hein. C'est clairement un joueur qui, à mon avis, va pas faire du vieux os en Ligue 1. Donc voyons. En décembre dernier, le Toulouse Football Club avait dû réagir publiquement pour défendre un Aboukal accusé par un média marocain d'apologie du satanisme et de prosélytisme religieux. Défendu à l'époque, Aboukal est aujourd'hui seul sur le banc des accusés. La faute à deux événements. Le premier a été son refus de porter le maillot arc-en-ciel et donc de jouer le match face au FC Nantes dans le cadre de la lutte contre l'homophobie. Le Toulousain n'est pas le seul joueur du championnat à avoir pris cette décision, mais il a été le meneur de cette action dans son équipe. Face à la polémique, il est obligé de s'exprimer sur les réseaux sociaux. J'ai pris la décision de ne pas participer au match aujourd'hui. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Ensuite, Aboukal s'est distingué alors que le TFC présentait quelques jours auparavant la Coupe de France au Capitole, alors que Laurence Arribagé, adjointe du maire chargé des sports, demandait aux joueurs du club de se taire. Aboukal aurait répondu « Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. » Oh là là, le mec. Ben retourne chez toi, hein, si t'es pas content d'être en France, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Face aux graves allégations publiées par RMC Sport à l'encontre du joueur toulousain Zakaria Aboukal, le club annonce que son joueur s'entraînera à l'écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre, en attendant le résultat d'une enquête interne. Le club ne fera pas d'autres commentaires jusqu'à la conclusion de cette dernière, mais selon nos informations, le divorce est bel et bien consommé entre Toulouse et ce joueur. Il restera à l'écart jusqu'à la fin de la saison, et le TFC va chercher à s'en débarrasser dès cet été. Sous contrat jusqu'en 2026, le Marocain souhaitait également plier bagage, et sa bonne saison devrait lui permettre de rebondir ailleurs. Reste à savoir où. Car si le talent est là, sa réputation est entachée. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc, Aboukal, carton rouge. Hein. Vous en pensez quoi de ce joueur? Ciao.